supply. Oh! Il y a une meuf à poil. Vas-y, là je vais les baiser ces connards. Ah! Putain, mais ça c'est chaud là. Salut YouTube, c'est parti pour tester Zoochosis. C'est un jeu d'horreur dans un zoo. Tu dois gérer des animaux, bam bam bam, tu dois les nourrir et tout. Mais ça part en couille. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Excellent. You made the right move. Just a couple more things and you'll pull your family out. C'est bon hein, pour un jeu de merde. Really hope so. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? I thought this was c'est une caméra poitrine, les gars. True. Never thought that the smart Alex belong right in the zoo. Hope you got the joke. Excellent. Now let's get started. First, grab your personal PDA. It's necessary for interacting with all the work objects. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. Wait, what's this for? You'll find out later. Oh, ça commence déjà. Hein. Voilà, hey, ça commence déjà, frère. Vous nous a endormis, frère. Wesh. Oh, are you finally awake? Good. Get up. It's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals requires prevention. You wouldn't want to bring some kind of infection home, would you? By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. Hey, I'm busy, lui. So I got the job? I thought we had an interview. My wife is waiting for me outside. The job will be yours if you make it through the night. Let's go. I still have a lot to show you. Hey gros, hey, dès que cuisine, ça commence déjà. Alors, déjà, hey, les frères, déjà le jeu il est super beau, je trouve. Hein. En vrai. Est-ce que je peux ouvrir ou pas? Non, je peux pas ouvrir. Hein. Il y a quoi dans le zoo là? Il y a des girafes, des éléphants, hippopotames, zèbres, élans, je crois, gorilles, bambi et pingouins. Welcome to the zoo. Ça va partir en couille de ouf. Interagir. Ok. Ah, c'est lock et c'est lock. C'est quoi ça? Serrure biométrique. J'ai pas accès. Ok. Ça, faudrait que je le casse, faudrait que je le prenne. Je le prenne plutôt. Ok. Eh, c'est fluide, hein. Déjà, gros, pourquoi il y a un train, déjà, pour commencer? Gadget trolley. Filtre à biodéchets. Je pense tout ça, les gars, c'est... c'est badant, hein, quand même, hein. L'ambiance est badant, les frères, de ouf. Éteignez les lumières, s'il vous plaît, les frères. Éteignez les lumières. Supply. Là, il y en a zéro, je peux pas. Il y a un générateur, là. Ok. Oh, vétérinaire station. Elle a l'air complète, n'empêche le jeu, les gars. Il y a de quoi faire dans le jeu, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est très spacieux ici. This is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Here we store herbs, vegetables and fish while the meat gets ground into portions for the animal rations. Ok, là-bas, il y a la bouffe, les gars. Right now, we're running low on herbs and vegetables. Got the hint? Get to it. You can find the instructions in your PDA. Ok, c'est quoi ça? Alors, charger deux briquettes. Fils de pute. Ah là. Charger. Wesh. Charger deux briquettes d'herbe et un briquette de légumes dans le chariot à briquettes. D'accord. Ok, donc ça, c'est la chambre froide. Intéressant. C'est quoi ça? Ok. Herbe. Donc ça, c'est briquettes. Ok. Une là. Poisson, de la viande. Attends, il fallait quoi? Herbe et légumes. Du coup, c'est quoi? C'est herbe. Il en faut deux d'herbe. Tac, un là. Use right recipe for each animal. Ah, on peut voir ce qu'ils mangent. Les pingouins, ils mangent 2 kilos de poisson. Les éléphants, 6 et 4 kilos. Putain, ah ouais, non. Ok, c'est sympa ça. Au moins, ça, on sait. What was that? There's something in the works that you're not ready to know about yet. Let's start with the basics. Mais attends, mais c'est quoi ça? On dirait que c'était Hulk derrière. Et lui, c'est normal. Wouah! Am I supposed to wait for you forever? And here is our KATIE, Kinetic Automated Transport with Innovative Engineering. Katie will take you around the zoo.
This is the refrigeration compartment. You need to load the brick trolley here. Until you load it here, Katie won't budge. To load the brick trolley, you need to activate the lever. Ok, là. Welcome aboard. Now, select the giraffe enclosure on the control panel and start the train. Ok, et là, je dois nourrir des girafes, du coup, d'accord. Wow, mais les gars, il y a trop de trucs. What the fuck? Vétérinaire station. Ici, c'est quoi? Kitchen factory, d'accord, c'est pour préparer, c'est pour cuisiner, en fait. On va livrer ça chez les girafes. Sélectionner une station. Oh, c'est hella, hein. Oh! Oh! Wow, c'est hella! Ouais, c'est stylé d'où? So we're at the giraffe station. Now listen carefully, I won't repeat it twice. Okay. This is our mobile veterinary station. Here you'll be mixing medications for our animals. Are they sick? Well, they can be. We need to closely monitor the health of the animals. We have some quite rare specimens, so the thought of anything happening to them is out of the question. Take this seriously and we should all be safe for another day. Follow me. This is our kitchen factory. To collect feces for tests, you have to feed the animal its favorite food. Here's where you'll prepare it. Choose the recipe from the list. Cut, mix, and you're done. Any questions? Non, yes. C'est bon, c'est bon. Excellent. The zoo needs those who aren't afraid to ask. But even more so, it needs those who find answers themselves. All right, enough chit-chat. Go to the cutting table. Donc là, les gars, je dois préparer de la bouffe pour le girafe pour pouvoir ramasser sa merde. You need to select the giraffe from the list. La girafe, du coup. Herbe. Appuyez sur le bouton qui est préparé. Cliquez sur le bouton couper. Wesh. Don't make a mistake with the weight. The exact measurement is displayed on the weight indicator. Measure carefully. Comment je dois mesurer? C'est quoi cette dinguerie? Ok, attends. Ok. Pour un total à 6 kg, il faut couper 3,5. Donc là, milieu, d'accord? Et un peu plus. Excellent, Paul. Good work in the pharmacy. Cut. Now do the same with the herbal brick from the recipe. Go ahead. Ah, j'ai coupé 3,7. Presque. Ok, c'est quoi? Là, je dois couper aussi les légumes, du coup. J'ai combien? J'ai 3 kg, donc c'est vraiment au milieu, là. Ok. Là, c'est au milieu. Parfait. Parfait, ça c'est nickel. Accepté. Now activate the lever to lower the gadget trolley. Active le levier, ça. Donc elle est où la bouffe là? C'est ça là? Ok. Giraffe station. En fait je crois que t'as plusieurs levels les gars. Des légumes vraiment. Il y a des lézards. I never thought a zoo could be organized like this. A train, trolleys. Yes, Paul, our zoo is quite unique. It's our pride. You won't see anything like it in others. Pride? Then why has the zoo been closed for the second year? People say the zoo is going through tough times. How would I know? I'm just a simple man. Clock in and clock out. How long have you been working here? Long enough to teach you everything. Come on, move the trolley. Storage à droite. This is the entrance to the enclosure. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select open enclosure. Donc les gars, pour ouvrir la porte, c'est ici. Attends, c'est quoi ça? Prendre note. C'est quoi ça? Je dois observer le comportement des animaux. Le zoo chose peut se manifester par des actions étranges et des mouvements bizarres des animaux. Intéressant. C'est quoi ça? Symptômes. Qu'est-ce que j'ai noté? Je dois examiner autant attentivement le corps des animaux pour voir s'il y a des cicatrices. Les cicatrices indiquent que quelque chose ne va pas chez l'animal. Ah mais attends, ça veut dire que je dois vraiment les aider. C'est pas une histoire, c'est que je dois vraiment survivre à ça en fait. C'est comme un peu les gars The Joy of Creation là, tu sais. En mode, je crois que c'est des plusieurs nuits à passer. Donc en gros les gars, attention les gars. Si vous voyez un animal, d'accord, qui fait des trucs bizarres, qui bouge bizarrement. Je sais pas moi, d'un coup tu vois une girafe qui marche à deux pattes et qui fume une clope, c'est bizarre. Si tu vois des cicatrices, vous me le dites les gars, d'accord? Donc soyez attentifs s'il vous plaît les frères. Faut pas une mourir comme une petite pute. Ok, faut que j'ouvre là, c'est ça? D'accord. Avant de partir, assurez-vous que tous les symptômes ont été détectés. Carte des symptômes. Beau,
Po Cléo. Ah, c'est des blazes des girafes. Ok, c'est quoi ça? La légende. Température. Ok, ça c'est la température. Ça c'est la fréquence. Ça c'est le sang. Ça c'est l'excrément. Et ils ont différentes couleurs. Entre le normal, le grand, en bonne santé. Ah non. Malade, effrayé, agressif, affamé, mort. Ok, faut... Okay. Prendre le seau. Oh, le bras, il est à perpète. Wesh, le bras, il est loin. Ouais, les gars. Wouah, wouah. Ça va ou quoi? Wesh, ok, je dois mettre ça où, là? Ouais, les gars, venez, venez. Ah, nickel, nickel. Je dois mettre ça où? Oh putain, mais c'est quoi ce bruit de fou? Gorok, t'as eu qui là? T'as eu Silverhand? T'as eu qui comme personnage? Mais c'est où ça, la zone d'alimentation? C'est à gauche peut-être? Ah! Ok, c'est ici les gars, nourriture. Et là, je dois faire quoi? Jeter la nourriture. L'eau. Ah, c'est de la merde, hein. Ouais, les gars, mangez! Mangez, les gars! Voilà, voilà. Écarte, écarte, écarte. Voilà, écarte, écarte. Super, il m'a giflé avec sa queue, nickel. Est-ce qu'ils ont des trucs sur eux? Je ne vois. Bon, ça c'est de la. Ça c'est de la merde, je crois. Oh, il a une morsure, non? Ok, là il y a de la bouse là. Il y a de la bouse là. Collecter les matières fécales. Comment je peux collecter? Super, nickel. Allez les gars, c'est parti pour sucer de la merde les frères. On va voir leur santé un petit peu. Alors, il y a cette merde là. Voilà. Nickel. Il y a celle là à ramasser. Voilà, super. Celle là. Ça se remplit. Bon, je crois que c'est bon. Now take the TIS. To avoid unnecessary questions, it's a thermal imaging system. You could just call it a thermal imager. It's needed to determine the body temperature of our animals. Ok. Ah, en fait, tout est là-dessus. Good. D'accord. Now install it and measure the temperature of the giraffes. Activé. Numérisation. 39 degrés. Cléo, il est bien. On va en faire la huisse là. Il est un peu chaud lui, c'est bizarre non? Ok. Les gars, il y a que Po, hein, il est pas bien. Po, je sais pas pourquoi les gars, il est pas bien. Déposé. As you can see, one of the giraffes isn't doing well. We need to make a dart with Temperalax. It's a medication for normalizing the temperature of animals. Okay. By the way, it was developed by one of the local eggheads. Interact with the terminal and press the exit enclosure button. Quitter l'enclos. Okay. In the terminal, you can check all the analyses you've collected in this enclosure. Qu'est-ce qu'on peut quitter? Ok, bah en fait il y avait que Po qui était un peu malade, mais... Non, mais on peut rien faire. Make some medications too. Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn. How do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about here. But I barely lasted 6 months there. Got picked out in the first year. No worries. That should be enough to mix a couple of ingredients following a ready-made formula. Ah oui, c'est vrai. Paul, you've just come closer to success and the well-being of your family. Now, go and load the collected fecal matter into the biomaterial receiver. Don't carry anything into the car. Everything must be sterile. And don't forget to put the shit sucker. Ok, je dois remplir la merde ici, les gars. Collecter tout ça, ok, l'avantage. Ok, ça c'est fait. On va remettre à sa place. Et là, tâche terminée. Là, logiquement, je rentre et je... Oh! Why are you so jumpy? Non, ça pue sa mère. Pue sa mère. C'est ça leur screamer, là? Il disparaît, il te fait pop, il dit « Ouais, pourquoi tu cries ?» Il va te faire enculer. En fait, les gars, c'est un taf, hein. C'est un taf. Faut retenir les mouvements et tout. Là, on ramène ça, tac. Et là, on part à la maison. Excellent.
Now, this is our mobile vet station. To make Temporalax, you need to load the station with enough vials. Ah. I did it this time, but in the future, you'll have to gather the vials yourself to cook it up. But keep in mind, chum, there are not so many vials. Think twice before using them. Ok, par rapport à la maladie, tu dois préparer un sérum, après tu dois le tirer dessus. Temporalax, là. Va te faire enculer, toi et ton sub, sale enfoiré. Let's go! Vince, va te faire enculer, mon frère, toi et ton sub. Merci beaucoup, mon frère. Cliquez sur le bouton pour créer le Temporalax. Créer. Perfect. Now take the dart from the dart dispenser. Ok, on prend. Cool, you've got Temporalax. Hey, il est bien le jeu, les gars. Il est le pistolet, les gars. Le pistolet vétérinaire. Ah, pistolet à fléchette. Oh! Oh! Oh, wow. Hey, ma faim, il faut vite merde là. Ok, là, je dois le charger. Ok, R. Ok. Donc là, je dois aller tirer sur le girafe malade, logiquement. Donc, on y va comme ça, on va le baiser, les gars. Et n'oubliez pas, il y avait marqué, les gars. Il y avait marqué que les animaux ont peur des flingues quand tu le vises. Genre, ils s'enfuient. C'est-à-dire, il faut le ranger, il faut trouver poire et il faut viser. Donc là, je vais ouvrir. Ok, c'était bien pour les gars. Allez. Ouais, les gars. Ça va? Il y a R. Ah, il y a R, hein. Il y a R, non? Ok, toi, t'es qui, toi? Ah, bah, il est là, mon kiki. En plus, il dort. Ha! Ah, t'as pas de chance, toi, ma gueule. Bah! Merde, il a peur, miskin. Wow, wow, wow. Au moins, il est guéri. Allez, on se casse. Allez, vas-y. Wow. Eh, vas-y, commencez pas, ma gueule. Commencez pas, ma gueule. Voilà, commencez pas, frère. C'est quoi, ça? Eh, j'oublie vite que c'est un jeu d'horreur, hein. T'es là, t'es content, tu donnes la bouffe, tout ça et tout. Mais voilà, c'est un jeu d'horreur. So everything went smoothly? Seems like it. I did this for the first time. Hopefully he'll get better soon. Well, don't doubt that. We need to get back to the hub. Ok, vas-y, on part au hub. Tout de suite, c'est là, non? Non, c'était là. Le hub, c'est la base, les gars. Maintenant, je pense, aujourd'hui, on a fait les girafes, demain, on va faire les walibis. On part au hub. Let's go, Paul. Escort me to the exit. Ah, je m'appelle Paul. It's time to leave you alone with our lovely zoo facilities. Il va me laisser seul? Oh merde. Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. Ah, ma meuf. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think she'll figure it out and go home soon. As you wish. Good luck, Paul. Merde. Don't mess up. Ma meuf, elle va partir. Et lui, il se casse. Ok, les gars, le zoo est à moi toute la soirée, les frères. Ça commence. Oh putain, M3312, ça, je reconnais le bruit. Il y a de l'eau et du café. Tiens, en parlant d'eau, en parlant d'aide, les gars, hydratez-vous, les frères. Les frères, c'est important, hydratez-vous. Alors. Eh, hey, calme-toi, calme-toi. Wow! Here, who knows how long ago? You're not answering calls. I'm worried. Répond à Lily. Ah, c'est ma meuf. Lily, sweetheart. Sorry, didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning and tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Yeah, it's just protocol here. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Déposer un briquet de viande pour Lily dans la boîte à colis. Ok. Ah là là. Ok. De la viande. De la viande pour Lily. Ah. Ok. Ah mais c'est ici à la sortie, les gars. Lourd. Ici à quoi? Y a pas grand chose. Interagir, c'est quoi ça? Complexe. Complexe chimique. Complexe Redix. Ok, ça je vais laisser, les gars. Je vais pas toucher. Voilà. Je vais les prendre et je vais les recycler. Regardez bien. Là c'est quoi? C'est ça? Là c'est végétable.
Regardez, là j'ai 21 de végétal, d'accord. Si je fais ça, 22. Faut bien, les gars, faut faire attention à la bouffe, les gars. L'herbe, on va le recycler. Et là, je devais donner de la viande à ma femme. Attends, je vais courir directement comme ça, c'est pas la peine de mettre dans le... Bah oui. Tac, tac, tac. Et là. Et tiens, ma meuf. Oh, mais vas-y, frère, même pas, je peux voir ma meuf. Lily, c'est quoi cette prison? Yeah. Take this. Give Gina a kiss from daddy. It's time for me to work. Mesurer la température, mesurer le sang, soumettre le sang. Ok, ok, ok. Ok, ok. Les gars, là, j'ai du taf. Les gars, là, j'ai du taf, les gars. Gorille ou pingouin, les gars, on fait quoi? Attends, vas-y. Gorille, d'accord? Alors, gorille, il a besoin de quoi, gorille, les gars? Gorille, il a besoin 1 kg d'herbe et presque 3 kg de végétables. Ok. Et végétables, il fallait 2,5. On va prendre un de chaque. Tac. Et je pense que c'est carré là en vrai. Là, ouais. Les gars, je dois cuisiner pour les gorilles, les frères. Gorilles. Alors, l'herbe, il faut 1 kg et légumes. Alors, c'est parti. Herbe, 1 kg. D'accord. Coupé. Là, c'est bien là. Ok, ça doit être ça du coup. 2,5. 2,3. Enlever de la nourriture. Enlever la nourriture. Accepter. Vas-y, j'accepte en vrai. Déviation 20%, 20%. La déviation est acceptable entre 12 et 20%. C'est bon, j'ai réussi en vrai. Ok, la nourriture est prête. Leave, eux. Là, j'ai préparé la bouffe, les gars. Je dois vérifier l'enclos, je dois nourrir. Après, je dois faire l'analyse. Donc, je dois faire la température. Je dois mesurer le son. Je sais pas ce que c'est. Je dois soumettre le sang pour analyse. Donc, je dois les piquer, j'imagine. Soumettre les matières fécales. D'accord. Ok, c'est parti. On emmène ça. Ouvrir l'enclos. Les gars, ça sent pas bon. Hello, boys. What's up? You good? Le chef est derrière. Ça va quoi, chef? Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille, derrière. Y'a air. Oui, oui, Goroke, oui, AP. César. AP, notre tap AP. Voilà. Ok, ok. Venez. Que je vous donne votre bouffe à vous. Mangez, les frères, mangez. Voilà. Bien de la merde, là. Allez, posez-vous, les gars. Le temps que vous chiez, moi, je vais vérifier l'enclos, les frères. Je vais vérifier l'enclos aussi. Alors, l'enclos, qu'est-ce qu'elle a, l'enclos? Qu'est-ce que je dois vérifier dans l'enclos, les gars? Il mange, c'est bien. Ici, il s'amuse. Ok. Ça se balance, super, ouais. Ça va, les gars? Mangez, les gars. Voilà, et chiez-y, les gars, d'accord? Chiez-y. Ok, tac, on va monter ici vite fait. L'enclos, il est grand. Ça, c'est leur lit, ça. D'accord. Sympa, leur lit. Ici, c'est fermé. Ça, c'est une fenêtre. La tâche est terminée. Fais voir. Vérifie l'enclos, c'est fini. Ok. Maintenant, les gars, il faut que je ramasse leur merde. Et aussi, les gars, il faut que je vérifie leur bruit. Pourquoi ils font du bruit comme ça? C'est quoi la machine qui fait du bruit, les gars? Lampe torche UV. Ah, ça. C'est quoi? C'était ça? Ah, ça. C'est Pepper qui crie comme ça? Ok, Pepper 142, d'accord. Oui, il part comme ça là. D'accord. La tâche est terminée, très bien. Ah, il y a de la merde en dessous, très bien. Alors, vous deux les frères. Tac. Parfait. Super. Franchement, les gars, bravo mes chefs. Vous êtes très très bien, les gars. Maintenant, vous avez chié où, là, vite fait? Il y en a un qui a chié là. Il y en a un autre qui a chié là. Ça, c'est fait. Maintenant, je dois mesurer quoi, les gars? Je dois aller mesurer le sang. Déjà, ça en range. Ensuite, je vais ranger ça. Et ensuite, c'est quoi, les gars? Soumettre le sang pour analyse. Soumettre la matière fécale. Ok. Ok, le sang. Le sang, seringue à sang. Bah c'est parfait hein. Allez, c'est parti. On va les piquer, les gars. J'espère qu'ils vont pas s'énerver, les frères. Ok, lui là. Ouais, chef, je peux te piquer s'il te plaît?
En deux spies. Ouais, nickel. Toi, t'es parfait. Nickel, toi, t'es un lossa. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, voilà, pose-toi, pose-toi. Super, chief. Voilà, chief. Voilà, super, chief. Nickel, chief. Nickel, parfait. Allez, c'est pas grave. On ramasse plusieurs fois le sang, les gars. Au moins, c'est fait. Maintenant, alors, s'ils ont des blessures, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ils ont rien. Et peur. Son gros cul, il est bien. Collecter les analyses. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on se casse. Ah oui, la fatigue avec. Ok, la merde. Hop, la merde, c'est ici. Voilà, le temps qu'on observe. Tac. Ouais, super. Voilà. Ensuite, on a ça. Le sang. Le sang. Si je viens là directement. Comment j'analyse le sang? C'est là, non? Ah là. Collecter le sang. Guérir les animaux. Mais ils sont bien les animaux. J'ai quoi à faire guérir? Ils étaient pas malades les gars. Attends, vite fait. Je vais voir ce qu'ils demandent. Diagnostic. Ah lui, Pepper est malade. Qu'est-ce qu'il a Pepper? Il a du sang de merde et son caca il pue la merde aussi. Donc là c'est ça, c'est... Ok, donc ça c'est... Ok, Pepper il criait, mais il était cool, tu vois son bruit. C'est juste qu'en fait il était malade. Ok, du coup c'est quoi les gars? Donc c'est le sang et la merde. Donc le sang... Le sang et la merde c'est ça? Ici là. Et donc c'est quoi? La colite ulcéreuse. Eh c'est Ever, c'est vrai ou pas les maladies? La colite ulcéreuse est une inflammation du côlon et du rectum qui provoque des douleurs abdominales, des diarrhées et des saignements rectaux. Comme moi, en vrai, de vrai, je suis du somme en ce moment. Ok, je pense qu'il me faut du parallax, les gars. Hein, un parallax. Substance anti-inflammatoire avec expectorant pour le traitement des infections virales, respiratoires aiguës. Mais je sais pas si j'ai besoin de ça, les gars. Alors, Pepper, qu'est-ce qu'il y a, Pepper? Dans ta mère, Pepper. Dans ta mère. Ça a marché, non? Il a vomi. Merde. C'était pas ça. Substance antimicrobienne pour le traitement de colite. Il était là. Mais il était là. Gastrogarde. Mais on est con. Produit chimique. Et comment j'ai ça là? Comment je l'ai ça les gars? Le produit chimique orange. Je vais aller juste ramasser. Bah t'as vu il est là. Hop, là une, deux et trois. Ensuite il m'a dit que j'ai reçu un colis, c'est ça? Oh. Alors, la gastrogarde, on va faire ça. Voilà. On prend ça. Et on va faire. On repart chez eux. Gorille. Parti. Et on va s'équiper de l'arme. Tac, et on charge. Et c'est parti. Pepper, putain, hey, on l'a mis dans la gueule un truc qu'il fallait pas. Pepper! Pepper! Non, t'inquiète, frérot, j'arrive. Je vais te soigner, frérot, t'inquiète. Pepper! Toi, Pepper? Non, ça c'est tort ça. Pepper il dort. Pepper il dort, miskin. Voilà! Je vais t'enculer! Les gars, c'est quoi ça commence le jeu d'horreur là? Est-ce que parce que je joue trop bien peut-être? Ok. Donc là, je dois aller récupérer. Donc c'est ça là? Supply. Une meuf à poil. Waouh, il y a une meuf à poil. C'est pour ça il y avait marqué. Ah. Moi je crois que c'était pour les animaux. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi il y a un cadavre qui m'appelle? What the fuck? Hello? Damn. I mean, Night Zookeeper Paul Connolly.
Don't worry, Paul, it's me again. How's it going? Do you need any explanations? Ne me dis pas c'est ça la viande qu'on a reçue. Ne me dis pas c'est ça la viande qu'on a reçue. C'est pas possible. Oh, I definitely do. I thought you had beef or, I don't know, lamb in the fridge. And there... And there's a long-necked pig. You see, Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into, how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastes. They need meat. Okay. What the hell is the mother? Relax. The mother is securely locked away. Not much is known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. Fuck! I gave a piece of meat to my wife. You did what? Sorry, Paul, but it's really ridiculous. Life gives you a chance to become a worthy, well-off person, and you take the easy way. Oh merde. Descending to simple theft. There won't be any more indulgence. So if they say grind bodies, you grind. They'll say kill, you kill. Got it? Got it. Just tell me where my phone is. I'll call Lily. Maybe she and Gina haven't eaten yet. I won't allow it, chum. If you call your wife, it'll be a direct violation of the NDA. No, Paul, you won't drag me into this. Ça commence, you'll have to fully feel the consequences of your misdeed. And now stop whining and go to work. Putain, mais ça c'est chaud là. C'est qui ça encore? Je travaille là. Hello, the night zookeeper, Paul Connolly. Why so grim? Problems? What the hell is going on here? Fuck! I almost threw a live girl into the grinder. Where did she come from? Alive? Well, well. 20 mil of xylazine and she's still with us. But fortunately, this problem is easy to solve. Pull the drop lever and the girl will turn into a couple of bricks, just like you've dealt with before. Easy peasy. Wow, la dinguerie. I suspected this place wasn't clean, but why else such big bucks? I can grind a couple of bodies, but I'm not going to get involved in crime and risk my family. Fuck you. Well, no one is asking you. In general, look at your hands. What the hell is this? Did you poison me? Poison? C'est ça qui m'a fait vomir. What do you think I am, a desperate housewife? No, Paul. I infected you. And by the way, I did it for your own good. You see, dozens of parasites spread out of the mother every day. They infiltrate our animals, and they transform, to put it mildly. Well, let's say they mutate. What the hell is this damn mother? Not much is known about her, so they study her. But right now, the same parasite is squirming inside you. And if you behave well, they'll take it out. And if not, who knows? Maybe it will be even better for Lily and Gina. Fuck! Okay. 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 Madame! Bon bah, c'est parti. Elle était pas très lourde la meuf. Hein. Attends, la viande, est-ce qu'il faut que je la stocke la viande, les gars, à votre avis, dans le... Là. Une. Deux. Ok, là, je les mets dans la chambre froide. Là, les gars, je dois aller... Attends, je vais recycler ça déjà. Tac. On va recycler ça aussi. Tac. Les gars, on m'a dit d'aller vérifier des animaux, mais à votre avis, on va chez qui maintenant? Et attendez, là en vrai ils me disent pas vraiment qui aller. On va chez qui les gars, vous choisissez quoi? Là on a fait les girafes, on a fait les gorilles. Pour le moment ça va, on en a guéri qu'une seule. Les gars, je crois que j'ai accès que aux pingouins, vous avez vu ou pas? Je crois que c'est les pingouins, il faut aller. Je crois que c'est pas à nous de choisir, il y a marqué juste ici l'accès, on a le droit d'aller. Pingouins, il faut 2 kg de poisson. On va prendre ça les gars, on sait jamais. Ça fait combien de kilos? 3 kilos. Je crois que c'est carré là, on y va. Je crois qu'on peut se casser les gars. Allez, on se casse. Ouais, c'est ça, hein.
J'ai fait les girafes, gorilles. Bon, là, j'ai fait pingouin. Allez, c'est parti pour faire les pingouins. Les... Bah, tu sais quoi, je vais faire la température d'abord. Les excréments, je vais faire à la fin parce qu'ils prennent du temps à chier. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'était ça, le gros truc là. Voilà, nickel. Voilà. Allez, c'est parti en haut. Yo, Rogue, bien ou quoi? Daisy, Luna, Coco, Tinker, Messi, Rocky. Il y en a beaucoup là, putain. Ah oui, en plus, je dois vérifier l'enclos. Wesh! Les gars! Ouais, les gars, tranquille. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre. Venez, venez. Luna, t'es bizarre. Venez, les gars, venez, venez. Mangez, mangez, les frères. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Voilà, venez, 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 venez. Voilà, venez, 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 venez. Voilà. Ok, Luna et Tinker vomi, les gars. Ok, parfait. Ça c'est, okay, ça, c'est bon. On a fait tout le monde. Tout le monde est bien en termes de température. Luna et... Luna et Tinky vomissent. Ok. Les gars, on va observer un peu cet endroit. C'est quoi? C'est leur lit, ça? Très bien. On va observer un petit peu l'enclos pour voir s'il y a des problèmes d'enclos. Ouais, ici c'est des poissons gelés, très bien. Ici c'est leur eau. Très bien. Oh, je peux grimper ici? Ah, je peux pas. Ok. L'enclos s'est vérifié, très bien. Là je vais déposer ça. Hop. Et température c'est bon. Je vais vérifier leur merde avec ça. Je dois vérifier leur sang ou pas les gars? Le son aussi. Ok, le son. Le son c'était ça je crois. Non, on reprend ça. Et on reprend ça. Parfait. D'abord on va faire. On va faire la merde. Voilà. Daisy, c'est bon, on va ramasser la merde ici. Ouais, je couche bien. Daisy, c'est bon, je crois tout à l'heure je l'avais fait. Daisy, je l'ai fait. Ici c'est le meilleur je crois. Ok, t'as beaucoup de trucs à gérer. Ah oui, maintenant j'ai le sang à faire. Ok, là j'ai ramassé ça, ça, ça. Soumettre le sang et les fécales. Après je vais voir qui est malade. Ok, là je vais gérer juste le sang. Alors, y'a qui là? Allez hop, 1. Comment il s'appelle les gars lui? Faut que je le note hein. Comment il s'appelle? Tinker c'est fait, Daisy on va le faire aussi. Tinker c'est fait. Allez quoi, laissez-moi au piqué les frères. Merde, ils veulent pas hein. Ah y'a de la merde là. Merde. Je pensais que j'avais tout ramassé. Ah bah oui, y'a des mecs qui sont mangés en retard, c'est vrai. Ok, ça c'est bon. Les gars, allez dormir les gars, allez dormir putain. Allez dormir frère. Ça y est, ça y est. Eh hey, mais comment je les pique ceux-là là? Peut-être que si je me casse, genre si je viens là, tranquillement, tu sais, et que je les laisse leur temps, genre. C'est ce que je dis ou pas? Si je laisse un peu de temps, peut-être y'a moyen. Attends, carrément, je vais déposer la merde et je vais analyser leurs blessures, s'ils ont des blessures. Ah, ils ont peur de ça? En fait, faut qu'ils deviennent verts. Mais là, j'arrive pas, les gars. Ah! Allez, s'il te plaît, chef. Mais gros, les gars, si je ramasse pas leur sang, je suis dans la merde, frère, je peux pas. Attends, vas-y. Moi, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. J'ai pas réussi à ramasser leur sang. Ils vont voir ces fils de pute. Non, ils m'ont vénère là. Ils m'ont vénère. Ils vont voir ces fils de pute. La tête d'homme. Comment je rentre chez moi là? Je crois que c'est bloqué chez moi. Ouais, ils m'ont vénère, ça y est. Regarde ce que je vais faire. Tac. Ok, la merde du coup. Attends, laisse-moi poser ça. Et laisse-moi te poser ça. Voilà. Ah, ok, fallait faire ça. Tac, on dépose. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, les gars, je vais préparer 6 tranquillisants. 6 tranquillisants, frérot. Voilà, tranquillisants. Ok. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ok, on est d'accord. Là, j'ai fait 6 tranquilles, hein, frérot. On bat les couilles, là. Voilà. Ensuite, le sang. On va déposer une goutte de sang ici, là. Voilà. On va prendre... on va prendre le gun. Et on va les baiser, ces fils de pute, un par un. Ah, je vais prendre aussi le tranquillisant, aussi. Ah oui. La seringue, voilà. Vas-y, là, je vais les baiser, ces connards. Là, ah. Comment ça sauver la vie? Comment ça sauver la vie? Ah! Wesh! Wouah! Fils de pute! Les gars, cachez-vous! Fils de pute! Comment je fais quoi là? Je dois faire quoi là pour le battre? J'ai pas de gun, j'ai rien. Je dois faire quoi? Comment je fais pour le battre? J'ai un gun normalement? Les gars, je dois faire quoi? Les yeux. J'ai pas de gun, j'ai rien. Putain, sa grand-mère. Jordan, merci mon frère. Ok, c'est quoi ça? Tranquillisant. Non, c'est pas ça que je veux moi. Tranquillisant. Injection létale. Voilà. Et comment je choisis la balle que je veux? Tranquillisant. Ah, voilà. Létal. Parfait. Là, on change. Allez, gros. Go faire du létal là, vas-y. Injection létale, c'est ça. 19 secondes. Va te faire enculer, toi, fils de pute. Quoi? Il m'a chopé là? Il se passe quoi là? Je suis un oiseau. Matège. Oh là là, mais je comprends rien. Allez. Allez hop, une balle de plus. Là, je peux pas bouger. Hein. Là, je peux pas bouger, les gars, c'est fait exprès. Ouais, gars, je peux rien faire. C'est quoi ce jeu de con en fait? Voilà, il pue la merde ce jeu. C'est quoi ce jeu de con? Au début, ça faisait peur, mais là, ça va. Ok. Est-ce que j'ai un tranquillisant là? Non, faut que j'y aille faire. Ok, attends. C'est quoi? On va préparer ça tranquillement. Hop. Et là, j'ai que ça là. On va le laisser dormir. On va le faire dormir. Allez. Dors. Non, faut que tu dormes. Parfait, une minute. Attends, tu sais quoi? Voilà, deux minutes. Voilà, tranquille. Ça va, en vrai, ça va. Au début, ça faisait peur, mais en fait, ça pue sa mère. Ça va. Tac, hop. Injection létale. Voilà, hop. En fait, faut en faire 3 maintenant. Maintenant, vu qu'on sait qu'il en faut 3, les gars, pour les boss. Allez, c'est fini pour lui. En vrai, c'est simple. Ouais, c'est simple. Après, c'est des pingouins, t'as vu? C'est un putain de pingouin. Faut que je ramasse cette merde. C'est quoi ça, gros? Le pingouin, frère, tu dis c'est de la merde, mais il se transforme de ouf. Youhou! Wouah! J'espère un truc grave bizarre. C'est une dinguerie. Mais t'es mal, moi, je commence à me transformer. On va ranger ça. C'est bon, là? Ah non, je vais ranger, c'est de la merde, là. Voilà, c'est parti. It's okay, bro! Ok, c'est bon. On a fait la quête. Maintenant, on se casse. Ah, attends, j'ai ramené de la viande. Pourquoi, du coup, les gars? Nous avons livré de la viande fraîche. Dirige-toi vers le... Allez, mais vas-y, va te faire foutre. Nourrir l'animal infecté. C'est bizarre, ça, les gars, cet animal infecté. Bon, vas-y, on se casse, les gars. On a reçu de la viande. On va aller faire ça. Eh, hey, Munster, t'es mal la viande. Munster, regarde bien la viande. La viande, c'est ici, du coup, on doit la découper. Donc, j'imagine qu'il va ramener un bœuf mort. Super. Merci, frérot. Vraiment. Franchement, t'es un lossa. La tête d'Oham. Je me demande s'il se réveille. Je crois pas, hein. Il a grave du sang sur lui. Putain, je peux rien faire ici. Putain, hey, je commence à devenir un zombie, frère. Bon, bah écoute, vas-y, hein, je vais faire ça. Hein. Je prépare la viande, je vais mettre dans la caisse. Tac, on sort ça aussi. Prépare-moi la viande, toi. Vas-y, hein, y'a que ça à faire. Hein. Le travail d'enculé, frère. Merde, la viande, j'aurais pas dû. Ah, merde. La viande, j'aurais dû mettre au frais directement. C'est pas la peine de le recycler, je pense. Ok, les gars, je peux plus, d'accord. Hop, ici, 3 kilos de viande. Alors, là maintenant, les gars, il faut que je parte chez les Walibis, là. Les Walibis, du coup, c'est des kangourous. Qu'est-ce qu'ils veulent, les kangourous, les gars? Ils veulent 10 kilos d'herbe et 1 kilo de végétable. D'accord. L'herbe ici, le végétable ici. Ça fait 3 kilos. Et peut-être la viande. Allez, hey, j'ai mis 3 kilos de viande, en vrai, je pense que ça va suffire. Hein. 3 kilos de tout, là. Et tu sais quoi, vas-y, on prend aussi du poisson. On sait jamais. Peut-être qu'ils vont, je sais pas, d'un coup, il va dire, ouais, il faut du poisson.
Je crois que c'est carré. On peut y aller, je pense. On peut y aller, je pense. Je vais faire un petit tour vite fait ce qu'il y a là-bas. Peut-être ça a activé un nouveau cinématique ou. Non, y a rien. Ouais, y a rien. En vrai, dans le jeu, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas de screamer, tu vois. C'est pas un jeu de merde. On range et on se casse. Ah merde, c'est derrière. Merde. Les gars, vite fait, je fais les Walibi. Après, je save la zone. Ok, c'est bon, on se casse là. Vas-y. Sans Yanni, c'est meilleur, ouais. Oh, avertissement. Le filtre à biodéchets est bloqué. What the fuck? Nettoyez le filtre. Biodéchets. Il y a une main et des organes. C'est ça votre merde. Main tranchée. Attends, je dois faire quoi avec cette poule? Qu'est-ce que je dois faire avec cette merde? Une main tranchée. Oh! Jure, ça marche! Wesh! Ah, c'est docteur. Dr. Oliver Metzger. What a surprise. Doc really turned out to be a doctor. Merde. Merde. I know it's you, son of a bitch. Hey, take it easy, Paul Connolly. What's going on? Like you don't know, you bastard! You think just because I'm poor, I'm an idiot? You infected me with some crap and expect me to die like the animals in your fucking longs. Zoo? Ils sont longs, les Shut up! You think I wouldn't figure it out, Dr. Oliver Metzger? You said there was no lab here. So why the hell am I standing in one talking to you now? Oh, Paul, here you go again. Your ass shouldn't be where you are right now. This is a restricted area, not related to the zoo or your duties. And, yes, I did inject you with a parasite, but not to harm you, rather to protect you. Without it, your job would be much harder. If you use your head and get through the first night properly, I'll come back in the morning and remove it. You'll get your money after the first shift, and no one will get hurt. Just finish what you started. It's almost over, Paul. Asshole! You think I'll believe a word you say after this? You'll have to, Paul. You're locked in, and I'm the only one who can open the door. Plus, I've got an NDA signed by your own hand, right in front of me. I'm just offering you a way out of this tricky situation, Paul. The choice is yours. Don't worry, I'll be back soon. Finish the job. Les gars, ma main, elle me fait penser à Crane dans... Oh, il y a un portable. Ça capte pas. Hello? Paul, is that you? You said they took your phone. Yes, my dear. I found where they hid it. Lily, please tell me you haven't eaten the meat. What are you talking about, Paul? We just had dinner recently. It was incredibly delicious. Merde. She was simply in awe. No. Fuck. No! I don't want to hear anything about it. If there's anything left, throw it away immediately. Paul! Paul, what's wrong? You're scaring me. Just do as I ask. No time to explain. I'll be back in the morning and I'll tell you everything. Oh non. Ils ont mangé un humain. Ils ont mangé un humain, frère. Ah, bah c'est lui qui est mort avec sa main, avec son tatouage. Putain, les bâtards, ils sont chauds. Ok, ici, y a un PC, les gars, je peux interagir avec. Ici, y a rien. Test, toilette. Ok, c'est quoi l'ordi, là? Damn. Most likely, all the information is stored on external drives. Mais j'ai une disquette, non? Mais j'ai une disquette, chef. Il est là, la disquette. Mais j'ai une disquette, justement. C'est une disquette bleue qu'il faut. Merde. On se casse du coup, logiquement. En vrai, allez, c'est parti. Allez, les gars, les Walibi. On fait ça et demain, on fait ça. Attends, faut que je cuisine, je suis un ouf, moi. Allez, partir sans. Normaux. Walibi. Alors, l'herbe. Alors, 2 kilos d'herbe. Ok. Et 1 kilo de légumes. Il faut couper 2 kilos, donc ça, c'est 1,5. 2, c'est là. Oh là là, elle est parfait, les gars. Là, il faut faire 1 kilo. Ok. 1 kilo, c'est. Attends, ça, c'est 1,5. Là.
Merde, presque. Oh là là. Vas-y les gars, on fait ça, après je vous laisse tranquille les gars. Après on part sur SDR. Ou Alien. J'en sais rien. Je crois que c'est carré les gars. Je vais prendre ça. Et je vais prendre aussi la température, j'imagine. Hein. Fais voir. Mesurer la température. Ok, le son et la température. Bah, je parle en température. Je vais faire ça en même temps. Allez, c'est parti. On va faire les kangourous. J'ai l'impression qu'avec les kangourous, ça va être un peu chiant parce que ça saute partout. À voir. Wesh les mecs. Bien. Bougez pas, les gars. Voilà, les frères. C'est parfait. Au moins, je fais un coup sur ces 1000 là. Nickel. Voilà, maintenant, bougez pas. Ok, ça, c'est fait. Et je vais prendre le son aussi. Et voilà, et après, on y va. Allez, les gars. Ramenez-vous, les frères. Tranquille, tranquille. Voilà, venez, venez. Oh, qu'ils sont mignons. Oui, oui, Ami, Wally, Penny, Sally. Venez, les gars, venez. Venez, vous allez grailler. Venez, venez. Là, là, là. Courez, courez, courez. Voilà, les frères. Venez, 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 venez. Voilà, tranquille, tranquille. Ok. Ok, maintenant go ramasser leur merde et go ramasser. Ok, ils ont bien chié. Parfait, les gars. J'ai l'impression que c'est facile, les gars. J'ai l'impression que c'est facile. On va ranger ça. On va ramasser leur merde vite fait, like ça. Et je dois aussi prendre leur sang. Tac, voilà. Déjà, je vais ramasser leur merde, si vous me permettez. Voilà, c'est bien, Wally. Chiche bien, chiche bien. Voilà, parfait. C'est bien ça. C'est bien, oui. La petite chope. Yeah, boy. Pipi, caca, oui, oui, les fesses des garçons, oui, les fesses des garçons, pas les fesses des filles, non, que les fesses des garçons, oui. Ça, c'est une rêve, les gars, c'est une rêve. Hein. C'est pas à dire, je suis fou. Y'a pas une dernière merde à dire. Merde, et ça, le reste. Elle fait vite que. Oh, attends, attends. Vas-y. Voilà, merde, il vient de se poser, miskin. Ok, bro. Ok, y'a pas un mec qui s'est chié dessus là? Y'a pas un dernier mec qui s'est chié dessus, les gars là? Je suis en train de le chercher là. Il manque une merde, non? Merde. Bah écoute, j'arrive pas à le voir. C'est un des derniers caca là. Bon. Je vais aller faire un rapport vite fait, je vais voir ce qui se passe. Je pense que c'est bon, hein, en vrai de vrai. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, on ferme. Eh, s'il se passe une dinguerie. Normalement, il se passe rien, les gars. Voilà. On va donner ça. Et on va donner aussi le sang. Voilà. Et là, je dois faire. Attends. Là, je peux aller voir. Collecter. Guerre des animaux. Ok, maintenant, je peux aller voir. Qu'est-ce qui a qui là? Qui a quoi? Ah, c'est bon, j'avais ramassé tout le monde. Ok, Ami, il a que du sang. Donc, c'est quoi le sang? Infection de sang. Ok. Les bactériémies sont des situations dans lesquelles les bactéries ont d'autres agents pathogènes pénètrent dans la circulation sanguine et provoquent de la maladie grave. Ok, les bactériémies. Ok, c'est juste pour le sang, les gars, là. Substance anti-inflammatoire, c'est pas ça. Substance anti pour le traitement manifestant allergétique. Non, antimicrobien pour les traitements maladies du sang. Voilà, c'est ça. Parfait. Nickel. Super. Oh, mes deux mains étaient remplies. Wesh, c'est bizarre d'avoir. Fils de pute, tranquillisant. 1, 2, 3, létal. 1, 2, 3. C'est parti les gars, vas-y. La guerre, c'est la guerre. Putain, mais comment ça se fait, c'est transformé, c'est... Ouah ! Après, après. On dépose ça. On dépose le sang. On va prendre le gun. Attends, attends, non, non, non. J'ai mis quoi ? Mais garde, on s'en fout de ça. On va faire tranquillisant, frérot. Tranquillisant. J'ai pas pris ! Non ! Non! Non, il a graille! Non, voilà, il a graille! Fils de pute! Eh, je suis un vrai big singe. Oh, oh! Non! Va dormir. Va dormir, fils de pute. Va dormir, fils de pute. Putain! J'ai raté deux flèches! Mais comment j'ai raté? Les gars, en fait, faut toujours traîner avec ça, les gars. Faut toujours traîner avec des trucs comme ça. Ok, c'est parti, là, je vais te baiser. Putain, j'ai raté comme une merde, sérieux.
What the fuck is this? Où est-ce qu'il est? Allez, va te baiser ta mère, fils de pute. Va baiser ta mère, fils de pute. Putain, il est mort, la huisse. Allez, va te faire enculer, toi. Mais pourquoi il s'est transformé, lui? Je comprends pas. Eh, me casse les couilles, fils de pute, là. Et je fais quoi, lui? Bon, vas-y, on va ramasser un. Fuck, il est mort. Je sais pas si je peux ramasser son corps. Bah non, il avait une mutation. Ouais, mais comment je pouvais savoir? En vrai, ça va le jeu, hein, les gars. C'est pas un jeu d'horreur, hein. C'est un jeu chill out. Attends, je vais voir ce que je dois faire, là. Sauver, merde, dommage. Vas-y, c'est bon. Allez, s'il te plaît, ferme la porte, s'il te plaît. Ferme la porte, s'il te plaît. Oui, je sais. Mais moi, je vais fermer la porte, comment je fais? Ah, elle est cassée, la porte. Ah bah oui. Putain, gros, je suis dégoûté, vraiment. C'est-à-dire, j'aurais pu sauver... Bah oui, bah ouais. J'aurais pu sauver le pingouin et j'aurais pu sauver le... Bah oui, j'ai fait de la merde en fait tout à l'heure, dommage. Mais... Il y a marqué, je dois sauver. À votre avis, comment je... À votre avis, je... Non, mais il était mort, les gars, mais d'accord. Ouais, mais oui, c'est rouge, donc c'est mort, c'est fini, ça. Sauver les animaux. Mais sauver comment, chef? Sauver de quoi? Ah, cinématique, les gars, attention. On a fait la moitié du jeu. Qu'est-ce qu'on a là? Paul, my friend, where are you? Come here, it's time to see how you fared during your probation. Va te faire enculer, toi. Téma son sourire. Téma. Eh merde, je suis au sol. Oh, Paul, you're doing great. The other subjects have been paralyzed for an hour by this point. You probably noticed that the creatures haven't bothered you. It's all thanks to the parasite. Now we just need to decide whether to remove it from you or not. I'm sorry, Paul. Mother is against it. Seems she's very hungry. She only eats what she kills herself. Ah, c'était elle, le gros monstre. Tell mother. Bon appétit. Donc là... Donc là j'ai payé le jeu 40 euros.